Challenge qui se trouve être placé sur le mois de mars à faveur du 8 mars dédié aux droits de la femme. Nous comptons continuer justement sur cette année, les années à venir justement à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, à avoir une place assez importante en tout cas dans notre portefeuille de financement. Pourquoi pas 50-50% pour des entrepreneurs féminines et pour d'autres projets d'entrepreneurs masculins.